Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je suis avec Macrintor sur EU4. Voilà. Salut tout le monde! Donc, plusieurs petits trucs, comme on me l'a demandé. Ah, tiens, le Gotland qui était. Ah non, c'est le bec. Comme on me l'a demandé, j'ai créé. Enfin, non, j'ai pas créé. J'ai un Utip qui existe, donc j'ai mis le lien maintenant dans mes descriptions de vidéos. Donc, si vous voulez. Si vous voulez qu'on arrête de vivre comme des clodos avec Sirikai et que. Voilà quoi. Donc, moi, je me suis créé un Utip. Je pense que Sirikai, tu l'as fait ou tu vas le faire. Là, pour l'instant, ouais. Je suis à 19 centimes de gain. Donc, moi, je vous cache rien. Moi, c'est tous les chiffres sont publics. Ok, quand on touchera du 15 000 euros par vidéo, on communiquera un peu moins. Mais bon. Je pense qu'on n'y arrivera jamais. Bref, plus sérieusement, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, désolé aussi pour le retard pour ma vidéo. Tout à l'heure, je regarde. Oh, j'ai oublié de publier mes vidéos. J'ai rigolé comme un con, bref. Et voilà, voilou. Là, voyons la colonisation. Où est-ce que je peux colonialiser? Ouais, on va faire ça vite fait. On est en guerre pour choper les autres. Développement. L'Ohio. Ah, c'est ça là-bas. Winnebago, on envoie un colonialisateur et l'autre province à Taglock. On va commencer à coloniser les Philippines. Hein. On va se développer un peu là-bas. On va avoir 40 000 hommes. Hein. C'est le tarif syndical. 40 000 hommes. Là, on va convertir Berne. Où est-ce que je peux? Ouais, on va convertir à Berne et Fort Jackson. Voilà. Ok, on était donc en guerre contre le Brabant et la Bohème pour vassaliser le Brabant et pour défoncer la Bohème, le faire exploser en vol. La Bohème, je crois qu'il n'y a pas une histoire qu'on l'a défoncé. Ah non, c'est la guerre d'avant où j'étais chez toi. Oui. Là, bah si, il a quand même une grosse armée. Il a une grosse armée, il a 50 000 hommes qui sont. Craché dedans. Il y a 50 000 hommes qui sont. C'est quoi, Sarajevo? Non, Smerderevo, c'est à côté de Sarajevo. Ouais, bref. Ouais, il y a quand même du monde là-bas, hein, putain. Il y a 17 000 hommes. Ça, c'est quoi? C'est la bohème 18 000. Comment il fait pour avoir autant d'hommes? Je veux bien que ce soit l'empereur, mais il y a des limites. Ah oui, c'est moi j'ai 40 000. Ah oui! J'ai 40 000 hommes chez lui. Oui, c'est vrai que je suis en train de faire sauter. Ouais, d'accord, non, ça se passe plutôt bien. Le Brandebourg, je peux le sortir en paix blanche. Est-ce que je peux lui faire. Ah, je pourrais lui faire lâcher la pomme. Score de guerre 103. Lui faire lâcher la Poméranie. Donc, Brandenbourg. C'est une, à la limite. Ouais, on va faire ça, on va le racketter à mort. Ah, il est allié avec la République des Deux Nations. Ça va être marrant de le faire sauter, ça. J'ai regardé déjà en priorité les thunes. Ouais, il est ok. Préparation de guerre. Ah, il est ok aussi. Et péter son alliance avec l'Alliance des Deux Nations. La République des Deux Nations. Ok, donc voilà, Brandebourg, on sort de la guerre. Tu prends toutes ces thunes. Réparation de guerre, là on a fait sortir je sais pas combien d'hommes. Ah, j'aurais dû regarder avant. Donc voilà, plutôt pas mal. Donc ça fait que cette armée-là, elle va aller à Prague, au se branler les couilles. Sérieusement, ta copine, elle fait passer l'aspirateur à cette heure-là? Non, c'est. Je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est une femme, hein, je cherche pas à comprendre. Je sais. Donc là, ouais, je vais me défoncer ça là-bas avec mon armée. Ok, donc allez, on enlève la pause. Bizarre, je crois que j'avais une quatrième armée qui traînait dans le coin, elle est où? Bon, je sais pas. Là-bas, on est en train d'assiéger, il y a nos... Ah ouais, putain, on est en train de lui rouler dessus. Angaronk. Ah oui, on a ça aussi à sortir de la guerre, c'est qui ça? Ah, c'est... Ok, c'est Würzburg. Ouais, dès qu'on a sorti Würzburg... Ah, il y a quoi? Ah, Nuremberg aussi dans la guerre. Ah non, t'es dans une autre guerre, toi, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça, c'est une guerre contre le Maroc. Enfin, contre un début de collision que je fais péter, histoire qu'il ne me casse pas les pieds. Dans la guerre avec le Maroc, t'as quand même Nuremberg. C'est une collision, toi, je te dis. Ok, moi, je vais me sniper 18 000 bohémiens. Avec mes 40 000. Ça va leur faire mal. Hop, hop. Voilà, boum, stack wipe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Naples est tombée, bonne nouvelle, parfait. La Bohème. Ou même lui, est-ce que Versoc veut pas, la Bohème, même une paix blanche, il veut pas, donc c'est pas grave. Là, c'est mes universités qui se terminent. Oh putain, le siège de Prague, il est déjà terminé. Ça va, tranquille, la guerre. Il va où? Ah ouais, on va l'intercepter, voilà. Hop, donc la Bohème. Ah, l'autre, il veut pas de paix blanche. Le mec, je vais choper sa capitale.
Bon, bah, c'est pas grave, on va piller tranquillement son territoire. Il reste une province. Là-bas, ça dit quoi, Würzburg? On va sortir Würzburg. Ok, là, j'ai repris l'objectif de guerre. L'Autriche qui veut un accès militaire? Bah, t'es en guerre contre Bohème et tout. Bah, avec un peu de chance, tu vas peut-être réussir à gagner ta putain de guerre, espèce de quart d'Autrichien. Ça m'étonnerait beaucoup, mais bon, parce que l'Autriche, c'est comme, je sais pas, c'est comme demander à un boiteux de gagner à 500 mètres. Ouais, C'est c'est pas Carl faux. Lewis. Ah, si le boiteux, c'est Carl Lewis, justement. Ouais, mais même Carl Lewis, il boitait. Je pense qu'il. Pas Iron Man non plus, le mec, hein. Ok, donc ça c'est bon. Ouais, la bohème il prend putain de cher, l'enculé. Donc la bohème, si on sortait de la guerre, l'autre il veut pas de paix blanche à cet enculé. Würzburg, est-ce que Würzburg. On peut lui faire. Alors, on va le faire exploser en volant cet enculé. De toute façon, je vais tellement lui niquer son économie. On peut le souder le machin, hein. Ah Au ouais, c'est que le contraire. truc, c'est que je pense que je vais peut-être faire durer la guerre, quoi. Je vais lui défoncer ses armées. Là, c'est quoi? C'est Shirvan qui est en train de siéger une de ses provinces. T'inquiète pas. Allez, la Hesse et l'Hollande. Siégez-moi Würzburg. On sort Würzburg de la guerre. Hop, qui arrive en mode hardcore. Limite liberté province qui sont chez toi. Faut t'inquiète. Je regarde un truc. Combien d'armées. Non, pas rivaux, les ennemis. La bohème, il lui reste quoi? Ah, il lui reste quand même 94 000 hommes. Hein. Ils sont, je ne sais pas où. C'est plus ça qui m'emmerde en fait, c'est de pas savoir où ils sont. Après, j'ai mes armes à peu près coupées. Oh là, y en a, ils sont chez toi les 90 000. Sopron. Ok, je vais aller sur ton territoire un peu. Comme ça, si on lui tombe dessus à deux. Ah oui, j'allais dire, t'as chopé Naples. Oui, en même temps, je viens de voir la taille de Naples. Je comprends pourquoi Ouais. tu l'as chopé. Là-bas. Et là-bas. Ah, t'as la plénitude là. Est-ce que Würzburg n'a toujours pas tombé? Alors, c'est la Bohème qui prend la Bosnie et tous les territoires autour, ils les ont été donnés à Utrecht. Ouais, bah, je laisse tomber de toute façon. C'est con. Oh putain, me faire tomber ça. Khorasan qui arrive. Ouais, je laisse s'amuser là-bas. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse s'amuser dans les Balkans. Bah, va t'amuser, le bohémien, de toute façon. Quand tu peux sortir, tu le sors. Moi, je temporise. Ouais. Colonie possible. Amérique. Okay. Rome désoccupe Siam. Ok, je te libère tes territoires un peu. Ah, la Bohème. T'es dans une. Ouais, t'es dans la guerre avec la Bohème ou pas? Je me rappelle plus trop c'est quoi l'histoire. Ah, il veut bien une Ouais, paix blanche. mais t'es bon, t'inquiète pas, j'ai fait l'appel de mon côté. Je suis tranquille, pépouze, pour le moment. Voilà, alors là, la Bohème, il relâche deux pays et il me donne tout ce qu'il a en thunes. Ah, et l'autocar de Würzburg. Préparation de guerre. Toutes ces
Merde, j'ai oublié de demander ses thunes, on doit pas avoir grand chose. Et Utrecht, vassal français, toutes ses thunes. Oh, Voilà. Voilà. Ah là, ouais, me considère plus comme un rival. Bah, je sais pas pourquoi. moi non plus. J'ai du mal à comprendre, mais bon. Soit. Ok, maintenant. Utrecht, t'as un électeur. Donc, in extenso, on va améliorer les relations. Toi, tu dégages. Voilà, le but, c'est que je sois élu empereur. Les autres, j'aurais rendu leur liberté, donc ils m'ont kiffé. J'ai Ouais. affaibli l'autre tocard là-bas. Non, plutôt pas mal. Là, ça se passe plutôt bien. Pas assez de rivaux. Non, pas le royaume de Dieu ni l'Espagne. Soulèvement. Les séparatistes suisses. Ils vont popper où, ces connards? Berne et On serait... Genève. Oh, ben, on va se mettre à Genève et on met l'autre armée à Berne. La conversion. Ok, allez, on convertit Genève, histoire de bien faire péter les rebelles. Ah. Coût de la répression implacable, moins 50%. Moi, je pense qu'on va faire de la répression un peu là. Genève. Autonomie, non. Berne. La Romandie, on les met là-dedans. Et là, on va. Pourquoi je peux pas baisser l'autonomie? Ok, ils ont popé à Berne. Où est-ce que c'est l'autonomie? On va baisser là-bas. Où est-ce que ça a peu de chances de se révolter? Là. Ah. Ah, voilà. Ah ouais, tranquillo, t'as la cool, là, le Mexique, il a dit, tiens, je vais défoncer l'autre connard à côté. Il lui a déclaré la guerre, il l'a défoncé. Bah voilà, c'est bien, les gars. Sympa. Ok, maintenant, Enfin, Utrecht. c'est l'autonome qui sert à quelque chose. Ouais, ça commence à être bien. Améliorer les relations. Conflits coloniaux. Oh non, non. Non, démerdez-vous, hein. La Bohème a rompu son alliance avec Nassau. Ah, la Bohème, il a pris cher, putain. Ok, maintenant donc le pape. Réputation diplomatique, ça on va prendre. Réduction de l'inflation, on prend. Le Saint-Empire. Un qui vote pour moi, un deuxième qui a bientôt voté pour moi. Et après, moi, il sera Nassau et. Pourquoi le pape ne vote pas pour moi? En 12. Enfin, pourquoi le Palatinat? Ouais, c'est parce que. Ouais, c'est les relations. Non, mais ça va venir ça. Ok, donc j'en ai deux qui votent pour moi. Et Trèves et Cologne. D'ailleurs, je vois une chose, c'est que tu... T'as déjà deux? Là, j'ai deux électeurs pour moi et là, je suis en train de. Je suis Frère, en train t'es... de. Ouais, je suis en train de. J'augmente les relations avec les trois autres. Ouais. Patna et le petit nouveau, là. Ouais. Latina et Utrecht. Là, ce qu'on va même faire, on va se la jouer en mode hardcore. Utrecht. Les mecs, j'ai mis un moins 200 de relations, liberté des arts, 40%. Palatina. Ouf. Ok. Ensuite, tac tac tac, j'ai pas, je sais plus ce que je voulais faire. Oui, si, je crois que j'avais une armée là-bas pour aller commencer à mettre des claques sur le coin de la gueule là-bas. Ah oui, non, il y a les états, les ordres. Ah ben non, je suis déjà en cours. Nouveau cardinal, ça m'en fait 8. Ok. Si j'allais mettre sur la gueule du Bengale, par exemple, ou de Bamanis. Bamanis, j'ai une trousse avec lui jusqu'à quand? Allez, à percer Bengale. C'est Bengale. Le Bengale, il est avec qui? Bamani, Kandesh, Passa ici. À quoi, quand De toute même? façon, Dans. la Perse, je pense que je vais lui taper dessus d'ici peu de temps. Dans quelques semaines, en juin, il va y avoir un conflit entre moi et la Perse. Ah, le Vijayanagar, merde, j'ai oublié de. Enfin, j'ai pas de. Ah, bah, ouais, limite. T'inquiète pas pour ça.
suis à 80% de professionnalisme, plus qu'un point et c'est bon. Attends, le dégât, j'étais un tocard. Louis de Valois, ah merde, c'est le roi. Enfin, c'est l'adjoint. Ah. On va booster roi, le développement. Adjoint. La trêve avec le Portugal. Ah, on va mettre la gueule sur la gueule de l'Angleterre alors. Elle où mon armée qui est là. Là-bas. Le Portugais, on va ramener ces deux armées là-bas. L'anglais. Ma flotte de guerre, elle est où? Elle est là-bas. Elle est. Oh putain. Ok, faut qu'il revienne la flotte de guerre. On va faire escale là-bas et. Ah. Influence sur la foi catholique. Passons au niveau 5. L'Angleterre alliée au Portugal. Que ça fait bien les. Quelle bonne idée. Ouais. À qui est allié le Portugal? Grande-Bretagne et Espagne. Si je déclarais la guerre, est-ce que l'Espagne viendrait? L'Espagne ne viendrait pas. Pourquoi? L'Espagne, on va augmenter avec lui. Non. Voilà. Ah, oui, confiance maximum. Non, bon, on va déclarer le Massy. Déclarer la guerre. Impérialisme. Excuse une petite seconde, je regarde juste une chose importante. Vas-y, vas-y. Alors, si je te regarde, toi. Allez, hop, c'est bon. Voilà. Tu bah non, je suis con, j'ai qu'à regarder. Royaume de Dieu, Ottoman, Perse. Ah, t'es cool, t'as le palba. Ouais, ben il est pas venu. Bon allez, et on va donc se savater la queue loup, on va vraiment le défoncer le machin. De toute façon, j'annonce Ottoman, queue loup et Perse, c'est trois vont prendre cher. Hein. Surtout que à queue loup a fait la connerie d'être un co-belligérant. Ah, oui, ça a piqué. Oui. En même temps, il n'avait pas trop le choix. Ça fait bizarre de se dire que l'Angleterre n'a plus de flotte. Ça, quand même, l'Angleterre, c'est derby, quoi. Oh putain, et Utrecht qui débarque pour défoncer le rose beef. Non mais, hé, l'autre, je viens de le choper, il me dit, ah, ça coule, je vais le défoncer. Ah mais attends, c'est quand même l'anglais. Soit cool. Il y a Kazan qui est venu de la guerre contre moi. Kazan, alors que Kazan, le machin, il est en ruine. Il se fait pulvériser par le russe, par le polonais. Non, mais je viens quand même pour aider l'Ottoman. Ah, mais tu vas te faire défoncer. Ouais, mais trop, je suis un fou. Moi, je viens, je vais te défoncer cet enculé. Bon, d'accord. Je suis une horde. T'as pas compris à qui t'as affaire. Si. Voilà, allez, on assiège Lisbonne, on assiège Évora, et comme d'hab, on va le défoncer là-bas en Amérique du Nord, c'est le but. Laisse même faire, je vais même pas m'emmerder à y aller dans la guerre. Amérique du Nord. L'anglais, comme d'hab, j'ai redémarré, fais-moi une paix blanche. S'il te plaît, monsieur le français. Ma flotte, elle est où? La flotte qui revient de l'Inde, ouais. Là, elle va faire une petite escalier. Si, elle va faire une escalier ici, histoire de... Oh putain, j'ai déjà pris Évora. Oh, les pauvres. Oh, la Perse, il va arracher l'état du Khorasan, évidemment. Rends la terre au Khorasan, mais c'est pas gentil. Non. Le Palatinat qui va siéger Porto. Non, c'est une humiliation ultime. Il y a eu Utrecht qui débarque en Angleterre. Bon, moins 200 relations, soit. Les autres, ils disent quoi? Le pape. Le Québec qui va humilier la flotte portugaise. Le Québec, quoi. Ah ben, ils ont défoncé la flotte portugaise. Et, bon, cool. Les Portugais, ils ont 11 000 hommes qui sont en train de siéger Narbonne.
Ah, mais de toute façon, c'est violent en ce moment-là. Ouais, la bohème a fait une alliance avec Nitra, c'est bien la bohème. La pauvre. Il traîne ce cave morné là, tu Oh vois. là là, Lisbonne est déjà pris. Les pauvres. Je suis triste pour eux quand même. Parce que j'ai une navire de guerre de 30 navires lourds. J'en envoyais 22 en réparation, donc il me restait plus que 8 navires sur le. 8 navires là en train de. En mode AFK, je me touche la bite, quoi. Le portugais, je lui prends Lisbonne, il sort sa flotte, je défonce sa flotte, quoi. Sniff. D'ailleurs, elle est où ma flotte? Oh putain, elle a l'air. Oh là là. Ça qui est con. Il est bien cet ordre, tu sais, entre guillemets, va te réarmer. Il est bien cet ordre, mais le problème qu'il y a avec cet ordre-là aussi, derrière, c'est que tu dis, ben, va te réarmer, mais genre, il va se réarmer pas dans une province que j'occupe. Il va aller se réarmer à Brest, là, par exemple. À Brest, qu'est-ce qui passe foutre à Brest? Hein, j'ai un atelier de réparation. Donc en même temps, l'autre, je comprends. Hein, va te réparer au Portugal, il dit, mais ça va pas la tête. Allez, les Tos, là, je vais leur tomber dessus avec 15 000 hommes. Là, c'est comme Un d'hab, siège. façon. Un siège à 89%, on va te faire foutre les RNG. Tu pars pas, toi. J'oserais pas. Pas mon genre. Vaisseau amiral portugais coulé. Oh les pauvres. Battez d'abord 15 000 hommes perdus. Oh là 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 là. Oh les pauvres, je les plains. Presque triste pour eux. Non, même pas. En même temps, ils sont. Les mecs, c'est quand même des putains d'alliés fidèles de ces enculés de Rosbif, hein. Ah oui. Ah mais ils sont fidèles les gars. Ils sont visés en basse, mais ils sont fidèles. Voilà, je vais défoncer 9 000 hommes qui restent là-haut, théoriquement. Plus 11 000, voilà. Théoriquement, il n'y a plus d'armée portugaise. Enfin, du moins sur le continent européen. Ah tiens, j'allais piller ces territoires aussi. Allez, les 40 000 hommes, voilà. Allez, me piller Porto. Allez, me piller Algarve, et on vient en remontant. Ça, c'est quoi ce truc-là? C'est ma flotte de guerre, je pense. Ouais, voilà. Ok, bon, on va se mettre là. Ok. Bon, ah merde, encore des. Bon, le portugais, faut qu'on négocie la paix. Oh là 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 là, oh là là, putain. Qui c'est qui a pris ce territoire? Non, la Nouvelle-Flandre, mais dis donc, tu vas arrêter de prendre du territoire. La Nouvelle-Flandre, c'est pas ton territoire, tu rends. Ici, c'est. Tout ça, c'est pour. Pas la Nouvelle-Hollande, pas la Nouvelle-Flandre. C'est quoi ce territoire là con? C'est la Louisiane française. Moi je peux lui donner le territoire. On pose cette question, moi. N'y a pas une histoire qui peut pas le corer. La France. France. Non, non, les tocards, vous donnez tout à moi. Et moi je redistribue derrière. On est sérieux les mecs. Bohème qui a été encore réélu, malheureusement. C'est chiant. Oh, c'est pas grave. Attends, je m'en pose parce que je pense que je vais faire ma paix là. Vas-y, prends ton Oh là temps. là, les pauvres, comme ils prennent cher les tos, je leur roule dessus en Amérique. C'est bien là, c'est un. Ah non, c'est Colina, c'est même pas. Ah, parce que je dois leur dire de me retrouver. Les mecs, ils s'approprient des territoires, mais tu. Putain, genre, t'as la Nouvelle-Flandre qui prend le territoire qui doit appartenir à la Louisiane française. Non, mais les gars, ça devient le bordel là. Donc, la paix, l'éthos, on va dire, je veux. Non, pas ça, je veux ça, ça. Ah, non, je veux surtout booster. Là.
Ouais, ça t'es ok, ça t'es ok. Ça. Ah non, ça tu veux pas. Ça tu veux bien, tu veux bien. Ah, si tu veux pas, bon allez, hop, on prend ça. Hop, le portugais. Merci. J'ai rempli une mission. Laquelle? Compagnie du Mississippi. Voilà, gain de 5 ans de mercantilisme. Ok, je prends. Oh, 3200 ducats. Ok, ensuite l'anglais. Bon, l'anglais. T'es blanche? Il a. Tu crois que c'est colonie ou pire, l'anglais? Hein. L'anglais, mais il n'existe plus là. Il a Derby, c'est tout. Bah, bouffe-le ou pire. Hein. Mais non, Écrive-le. il me sert à déclarer la guerre à au Portugal. Pour ça, pour la fois, tu pourras prendre. Ouais, mais n'oublie pas, quand tu fais une guerre comme ça, tu prends que la moitié des terres parce que le Portugal n'est pas un C'est des peu colonies, belligérant. c'est des colonies, ça me coûte zéro à prendre. Je prends que des colonies là actuellement, je me fais ma guerre, ça me fait pas d'expansion agressive, ça me coûte que dalle à faire. C'est ah non, mais t'inquiète, hein, c'est du pouf. Oh, ça va à la cool, hein, c'est tranquille, hein. Là, niveau pression. Ah, comment ça, défenseur de la foi? Non, mais c'est quoi cette histoire? L'espagnol défenseur de la foi? Non, mais. L'autre, il a fumé de la beuh, cet enculé. Pas suffisamment de rivaux. Ah, merde. Alors que toi ou l'Espagne en rival. Il va peut-être falloir qu'on s'occupe de mettre sur la gueule de l'Espagne un jour. Les Marocains ont pillé la côte de Bona. Deux marins et cinq pièces d'or ont été pillés. Ça sent quand même l'expédition punitive. C'est clair. Ok, le Saint-Empire romain germanique, j'en ai deux. Oh bien, prochaine élection, je peux être élu. Ah non. Ah, Ah joli. non, c'est là. Pas encore. Mais par contre, le Palatinat commence à monter. Ouais, Utrecht, on va. Les universités, où est-ce que ça. Non, pas les universités. Je suis con. Les hôtels de ville, où est-ce que ça peut être rentable là? Et. Merde. Les bâtiments, les bourses. Là-bas. Ok, donc. Voyons, t'es en train de défoncer. Ah, oh, la Perse, c'est bien. Je pourrais peut-être mettre sur la gueule du Bamanis, en fait. Allez, à Perse et Bengale. Diplomatie. Si je lui déclarais la guerre. Oh putain, y a que Malwa qui vient. Ah, le Bamanis, va falloir qu'on discute. Voilà. Bon. Oh, c'est à que nous que je vais le séparer en deux morceaux là. C'est presque moche. Bon, Kazan, par contre, Kazan, là. Tu vas foutre la paix? Je t'occupe à 75%. Il n'y aurait pas de guerre, puissance commerciale, ton cash. Et Je vais tu viens de faire casser les pieds. moi je vais faire exploser le Bamanis. Enfin exploser, ils savent pas servir des bateaux, donc on va prendre la ligne de côte. La ligne de. Ouais, la ligne de côte. Allez, 24 000 hommes, on va les sniper. 1000. Ah merde, que 1000. Kazan, ça dégage, un de moins. Bon, la Perse, je suis en train de piquer ses forteresses, c'est Allez, le plus bing, important. ok, loque-toi, bim, allez, je vais me taper 40, je vais m'être fait 46 000 hommes, j'en ai perdu 1500. Enfin non, j'en suis à 5, ouais, 47, 48 000 hommes, j'ai perdu 1500 hommes. Donc le Bamani. À 100 niveaux technologiques différents, quoi.
Ah Et ouais, bim, fin d'accord. d'épisode, oh là là, ce roulage dessus. Et c'est du stack wipe en plus, hein, les batailles. C'est même pas de je gagne, non, c'est stack wipe. Il a avec 25 000 hommes, j'en ai 40 000. Donc déjà, le problème, c'est ça. C'est quand on a une avancée technologique sur les mecs, qu'on arrive à un ratio de 2 contre 1 contre eux, avec une meilleure tactique, discipline, tout ça, parce qu'on est la France, et un meilleur moral, aïe, ça pique. Donc voilà, il y a le Tung-Dung. Donc, comme d'hab, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis, proposer des idées, poser des questions, avoir des idées d'objectifs. N'hésitez surtout pas. Et liker, Voilà. commenter, et aller voir des vidéos sur YouTube, c'est gratuit. Ça rapporte des broutilles, mais bon, hein, il n'y a pas de petit profit. Et surtout, pensez bien une chose, n'hésitez pas à commenter, à dire tout ce que vous voulez, parce que certains m'ont demandé de rejouer à Hui 4. Je l'ai fait pour le plaisir. Ah putain, t'es courageux. Si ça c'est pas de l'amour, les gars, vous avez pas conscience. Hein. C'est parce que Voilà. HOI4, c'est. Il y a des mecs, j'adore les regarder jouer. Par exemple, Toréor, je regarde Toréor jouer, je dis ah, mais c'est easy, je recommence. Bon, non, en fait, c'est pas easy comme jeu. Il y a des joueurs, c'est un vrai plaisir de les regarder, mais bon, le problème, c'est qu'avec Serikai, on est des brels. Pourquoi? Le pire, c'est qu'on n'arrive même pas à comprendre. On a beau faire le plan, à peu près comme eux, tiens, on va se préparer, on va faire ça, et les combats s'enlisent. Alors, quand on regarde les mecs sur des vidéos, ils s'enlisent jamais leurs combats. Ah Ça non. avance, ils se font défoncer ou ils défoncent. Tu te rappelles la fois où on s'était fait une bataille sur le front italien et tout, qu'on n'avançait pas et qu'à un moment donné on s'est fait rouler dessus sans comprendre. Mais bon, bref, Claire. ceci est une autre histoire. Voilà. Et on va nous garder parler de ça et on vous dit au revoir et à la prochaine. Ciao les gens!